Welcome back, everybody. And what is this? I don't even know what the match is gonna be. Hold on. Ok, excusez-moi, j'ai juste un petit peu de mal avec les yeux, mais ça va s'arranger car on va en avoir plein les yeux. Grâce à le perdant va en 9e, Samplay contre Salpat. À peine le temps de finir ma phrase que le match commence déjà. Samplay est un joueur de Falco, Salpat un joueur de Mars. Et on a donc cette phase. Là c'est cette phase où tout le monde se balade un petit peu partout là parce que ça devient pas très sérieux. Un edgeguard de Salpat et c'est terminé. Ça s'est passé relativement vite. Samplay avait pas son deuxième saut, vraisemblablement. Ok, d'accord. Ce match, cette phase semble aller relativement bizarre. Le Smash Bar est sorti un petit peu tôt, mais il a quand même frappé Salpat. Voilà, alors maintenant Samplay a l'avantage positionnel. Il va utiliser les lasers pour. Oh, le wave dash qui s'est mal fini. Samplay a l'air un peu. Il reste concentré sur le match quand même. Il faut pas être déçu. Oh là là, ce contre a vraiment duré beaucoup, beaucoup trop longtemps. Et là, Samplay est quand même dans une position pas géniale. Il a reçu quand même deux edgeguards assez violents. On a cette tech là. Je dirais pas que c'est une double stick tech parce que ça n'en est pas une. Mais bon, je suppose que certaines personnes pensent à ce que je pense. Dans ce monde, on peut toujours espérer. C'est parti là pour la phase de combo. Samplay va pouvoir rétorquer. Salpat le début des pseudos à peu près le même. Salpat donc une phase à l'extérieur du terrain. Il va essayer de choper. C'est bon, il a réussi à sortir de la phase de Samplay. Et à contrer à partir d'un down air, sort spoté. Il va pouvoir continuer à partir du terrain. Encore un smash côté sort spoté. Un back air, celui-là il est split spoté si je me trompe pas. Et un jab. Il allait presque concrétiser cette phase là. Et non, c'est bon, il a réussi à mettre ça, à mener cet edgeguard à son terme. Malheureusement, Samplay est en très mauvaise position, on peut voir. Un déficit de deux vies. Au moins une entière. Là c'est bon, Samplay arrive à avoir une phase en entier. On aurait presque pu avoir un combo là, dans sa totalité. Très belle tech de la part de Salpat qui a permis de contrer tout de suite là, la phase de Samplay. Samplay réussit quand même à concrétiser cet edge guard. Il est à l'extérieur, il y reste. Oh, incroyable! Alors j'avais jamais vu ça. Salpat s'apprêtait à tuer, à gimper littéralement, c'est-à-dire à le tuer à très bas pourcentage. Samplay. Et Samplay a contré avec un shine. Chose qu'on fait jamais parce qu'on a l'impression qu'on va mourir. Et a réussi à faire le upper tout de suite après. Alors là il y a eu un jab reset. Et ensuite on continue. Ouais, là, le smash côté, la phase de combo menée à terme. Ah non, c'est bon. La phase de guard, elle n'a pas été complétée. Samplay a eu suffisamment d'espace pour lancer un laser, ce qui lui permet de remettre la phase. Encore ce contre de la part de Salpat. Ce contre, ça c'est vraiment une occasion de remettre la pression ouais. À partir d'une situation défavorable. C'est vraiment un coup qui va être très énervant. Ou une tentative de combo avec le B neutre. C'est pas idiot du tout, mais malheureusement il est passé légèrement au-dessus. Et voilà, là, une phase de Samplay. Et voilà, la pointe de Salpat. Je dis et voilà en fait à chaque fois que je vois un tie trick. je ne devrais pas l'expliquer dans le détail ce que je pense de ce genre de choses. Je trouve ça légèrement. Non, j'ai dit que j'en parlais pas, alors je n'en parlerai pas. Passons plutôt au match suivant. Donc Samplay qui a un stage de prédilection, Yoshi Story. Pour mettre la pression vraisemblablement, probablement aussi parce qu'il a un bon déplacement à cet endroit. Et waouh, un très bon combo de la part de Salpat, l'idée de faire le smash vers le haut pour frapper. Et là, Samplay qui hoche la tête, qui dit je sais pas, il a pas l'air satisfait de cette.
Ça me plaît, fait non non de la tête. Oh, tiens, qu'est-ce qui... D'accord, j'ai pas exactement compris ce qui s'est passé, il m'a semblé que Simplay était mort, en réalité il est vivant, il a soupiré. Il a l'air de dire vraiment ça commence à bien faire, ces petites phases bizarres là, faudrait que ça se... Faudrait qu'on ait un vrai match avec une phase A et une phase B. Et le joueur gagne s'il a dépassé sur une phase A ou sur une phase B. Ou sur les deux, on sait jamais, enfin bref. Une règle quoi. Cela, j'avoue que j'ai arrivé à souvent de pas comprendre ça, mais malheureusement. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît, c'est pas trop. Ça me plaît, c'est pas trop ce qui se passe. Vraisemblablement, il y a beaucoup d'erreurs d'exécution. C'est vraiment dommage parce que ça me plaît, a quand même fait preuve de beaucoup de bons résultats. Enfin, fait preuve. Il a montré des bons résultats au King's Castle. Et là, ouais, on a encore une phase concrétisée en entier. Le choix de Yoshi's Story semble peut-être discutable. Après, c'est un choix que ça me plaît à faire en toute connaissance de cause. Il l'a consciemment étudié, évidemment. Il avait, il sait exactement ce que Mars peut faire à partir des plateformes. Il sait à quel point cela peut être dangereux. Mais il a choisi une deuxième fois de choisir ce terrain. Le perdant choisit le terrain, c'est son choix. Voilà, une bonne phase d'edge guard menée à terme par Simplay. Maintenant, oh là là, le oh là 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 là. Cette phase, il a réussi à renvoyer le laser, ensuite à le frapper en venant du dessus, et ensuite il a brainé, enfin il a mindé la phase. Ça le pas de faire un suicide malheureusement. Il avait mindé la phase et il a mis un smash côté en pointe. Donc il y a un peu de tout là, du timing, du mind game et du placement. Enfin, Salpat qui se débrouille lui aussi plutôt bien là. Le match est relativement serré. Il va profiter de sa position sur le nuage. Il aurait pu peut-être concrétiser ça par un down air. La phase de combo. Il avait peut-être été ralenti par le masque là. C'est vraiment dommage. Il aurait peut-être pu concrétiser ça par un autre down air sur la plateforme qui sera enchaîné sur un autre shine, etc. Là, bon, une phase de sale patte concrétisée. Edgeguard fait en entier. Oh là là, down air malheureusement mal placé. Salpat voulait descendre de la plateforme et quand il s'est mangé le down air, chose à laquelle il ne s'attendait pas, il est descendu tout simplement. Boum boum boum. Et ensuite, Simplay va essayer de concrétiser ça là, de A à Z. Voilà, là, avec les down air là, c'est bon, c'est reparti sur les plateformes. Une phase pas mauvaise là, il a l'avantage, il s'est fait contrer par le forehand air de Salpat, mais il continue à se garder vers l'intérieur. La chope parce qu'il a réussi à prédire le compte de Salpat. Oh, le down air, non, le down air raté. À ce moment là, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de mettre à fond, oh là là, à fond cette phase. Il continue la phase de pression, mais cette phase était tellement intense, je me suis mis à parler comme ça. Et ça me plaît qu'il a gagné ce match. Même si il y a eu quelques phases un petit peu étranges là avec Salpat, Simplay a quand même réussi à très bien concrétiser cette phase avec la pression de A à Z. Il l'a pas lâché un instant, les rares moments où il l'a lâché, il revenait sur lui. Et là, bah, on a droit à champ de bataille. Donc là, je suppose que ça doit être le choix de Salpat. Pour Salpat, l'équation reste inchangée, évidemment, s'il s'agit d'un Mars. Il va avoir des très bonnes options sur les plateformes et va pouvoir l'amener tout en haut. Auquel cas, il continuera de l'amener sur les plateformes, de mettre des tippers, des pointes d'épée, des petites choses comme ça. Donc ça lui permettre d'avoir un bon avantage à partir d'une chop. A contrario, le Falco, lui, peut aussi très bien se déplacer sur les plateformes. Ce match-up est relativement controversé, d'aucuns le disent « even ». Pour les deux, on marque pour qui, c'est très intelligent cette phrase, even pour Falco en fait. Et évidemment ce propos est quand même très controversé. On aura droit à des personnes qui disent que Falco il est très désavantagé, mais je ne donnerai pas de nom, et que Mars il est très désavantagé, mais ça j'avoue ne pas connaître de nom. Je n'en donnerai par conséquent pas. On a donc une phase. Très,
très bonne tech là. Il y a eu une phase d'edge guard qui a été un petit peu secouée là. Il s'est passé beaucoup de choses sont remuées. Et ouais. Oh mince. Salpat avait l'opportunité là de concrétiser cette edge guard. Il ne l'a pas fait car il l'a fait et ensuite il est mort malheureusement. Il va continuer donc à partir de cette phase. Une bonne situation. Des up tilt pour attaquer la plateforme. Ouais. Une bonne phase de combo là de la part de Salpat. Ouais. Up air pour ramener sur le terrain et smash côté. Et voilà. Ça c'est mené de manière assez propre. On va avoir droit à ça. Falco lui se balade un petit peu. Alors là c'est la phase où il se balade un peu partout. Il Salpat avait quand même. Oula. Donc ouais d'accord, Salpat s'apprêtait à punir Samplay pour probablement un schéma un peu trop répété. Et ça a mené un smash côté en pointe en plus. Et bon, on a eu droit à une pause là au milieu du match. Je sais pas exactement si le match aurait été accepté, mais bon, de toute façon, victoire de Salpat. Salpat qui est donc en bonne voie pour la suite du tournoi. Il me semble qu'il est dans les matchs de losers. Les losers sont prioritaires parce qu'évidemment ils font plus de matchs que ceux qui se trouvent en winners. Et les prochains matchs arrivent à toute allure.